troisième point, je vais être clair. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la presse. Ça fait beaucoup de temps. Je pense que ce sera le dernier moment de parler à la presse cette saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Très calmement, gentiment. D'abord, pour toutes les radios, pour toute la presse rwandaise, mais je trouve que le problème du football rwandais, c'est la presse. Parce que il n'y en a pas des gens cultivés qui ont de l'expérience dans la matière, qui connaissent le football et qui vraiment... Et aussi, ils sont là pour influencer les gens. Et pour toucher à l'honnêteté des gens. Je reviens aux premières phrases. Il y a des gens vraiment qui ne sont pas cultivés. Moi, je ne comprends pas. Comme Radio 10, un Kazongo qui n'a même pas le 5e année primaire, il vient critiquer le coach de police, le coach de APR, depuis que j'y arrivé, le coach de Dorian Sport, le coach de l'équipe nationale, le gars Mouchouma, Brochette. Il critique les coachs qu'ils ont étudiés 8 ans. Ça, c'est un grand problème. Deux, Anta. Il a fait quoi dans sa vie? Il a étudié quoi? Qu'est-ce qu'il connaît dans le football? Il a fait quoi dans sa vie? Supermarché? Hein? Après, il vient critiquer les coachs. Il vient critiquer le football. Ça, c'est pas bon. Troisièmement, le monsieur Titi, qui dit que à Per, l'étoile de l'Est, il nous a donné le match et qu'il voit, il a bien joué. D'abord, il doit comprendre une chose. Il doit être cultivé et analyser tous les paramètres. Nous, on a joué contre l'étoile de l'Est. Il manque 5 joueurs titulaires. Le scénario qui s'est passé, c'est normal. Il n'y a personne qui nous donne quelque chose. Kievo, ils ont joué contre une équipe complète. Il n'y a pas d'absence. Et c'est là où il y avait les cartons rouges. Et c'est là où il y avait beaucoup d'actions litigieuses. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Alors, si tu dis ça pour Appel, il faut aussi analyser les autres. Tout ce que je demande à M. Titi, d'être objectif. D'être objectif. Et c'est honteux, parce que j'ai travaillé dans 10 pays différents. Si Radio Rwanda, télévision... Avec moi, pas d'affaires. Appel, c'est le football qui parle. Oui. Alors, Radio 10 et Flash ici, je parle. De Lunga, c'est vrai, c'est vrai. Radio 10, je parle. Moi, je suis pas contre la presse, mais je veux du respect. Je veux du respect, s'il vous plaît. Je veux du respect. Il faut respecter le Rwandais, oui. Il faut respecter les gens qui travaillent. Ça, c'est pas bon. Coach, joueur. C'est quoi ça? C'est l'objectif, reste objectif. Moi, je vais vous dire ouvertement. Appel, c'est close, c'est professionnel. Appel avec une vision très propre, avec des objectifs très professionnels. Un projet valable. C'est pas lui qui va évaluer le coach et les joueurs. Il y a des dirigeants qui évaluent. Il y a des gens qui connaissent le football. La porte est fermée pour Kazongo à Appel. Fermée. Pas de joueur, pas d'entraîneur. Très simple. Tu dois comprendre ça. Avec moi, pas d'affaires. Appel, c'est le football qui parle. Oui. Alors, Radio 10 et Flash ici, je parle. Lunga, c'est vrai. Radio 10, je parle.